Good morning, la Yiden. L'étude sera aujourd'hui le Lunish Matam Ramiona Ben Chanapiki Batester, Zabat Mazaltov Shishportish, Simon Batloni, Michael Novikov, et aussi de Rufuat Ruth, Batklodin Traina, et Simon Rabat Masoudi Petor Charchol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perigimel Mishnah Yud. Shvuat Bitui, Noheget, Ba'anashim, Uvad Nashim, Barechokim, Uva Kerovim, Baksherim, Uva Psulim, Mifne Beddin, Veshalob, Mifne Beddin, Mipi Atzmo. וחייבין על זונה מכות ועל שגיגתה קורבן עולה ויורד. Une Mishnah simple et bizarre. Vous allez être étonné un petit peu par cette Mishnah qui va nous enseigner des choses qu'on va se demander à quoi ça sert. On traduit, vous allez découvrir tout seul, après je vous expliquerai le principe. Shvuat Bitui. Cette fois-ci, on va juste nous dire qui est impliqué par l'interdit de jurer à tort. Faux, la chevoie bitouille, celui qui va jurer pour attester une chose, ou qui va faire, qui va pas faire, sur le passé, le futur, d'accord. Donc, Noheget ba'anashim ou vanashim. Cet interdit, on sera condamnable, on condamnera donc celui qui transgresse l'interdit. Anashim, venashim, des hommes comme des femmes. Barechokim ou bakerovim. Qu'il s'agisse d'un serment qui va le concerner sur des proches parents ou des personnes plus éloignées. Ouais, barechokim, des gens éloignés, ou bakrovim avec des proches parents. Baksherim ou babsolim, cette fois-ci, on parle de la personne lui-même qui jure, que ce soit un juif kacher la edout, un bon juif qui garde toutes les mitzvot, ou babsolim, ou bien quelqu'un qui transgresse, qui est interdit de témoigner, un juif qui n'est pas crédible. Bifnei Beddin Veshelo, Bifnei Beddin Mipi Atzmo. Que l'on jure devant le Beddin ou que l'on jure à l'extérieur du Beddin, mais Mipi Atzmo. Que ce soit toi-même qui jure, pas quelqu'un d'autre. Le flou total, vous devez rien comprendre à mon avis. Vous inquiétez pas, on va tout expliquer dans quelques secondes. Je finis juste la phrase comme ça, on s'est acquitté des mots. Vechayavin alzdona makot valashigigata korban enlève et yored. Une notion qu'on a déjà répété plein de fois. On sera passible si on est bémézide avec conscience. Ouais, on transgresse consciemment l'interdit. On sera passible de chiouv makot, d'être frappé au beddin, la flagellation des 39 coups comme on apprenait dans ma serf makot. Et si on était par erreur, par inadvertance, on a oublié que l'interdit de jurer était si grave, ouais. Alors on sera passible d'un korban olev et yored, un korban chatat qu'on appelait le olev et yored, parce que la Torah elle, c'est la possibilité pour celui qui est pauvre d'apporter, au lieu d'apporter une kisba ou seira, d'apporter une chèvre, il pourra apporter une chèvre, une brebis, il pourra apporter un torim ou bnei yona, une volaille, des tourterelles, et bien il y en a des pigeons, ou encore même s'il est complètement pauvre, Bédalé Dalim, il pourra même apporter une mincha. D'accord, on s'est quitté du devoir des mots, et on reprend le principe de la Mishnah, qui nous enseigne apparemment des choses d'une évidence totale, qui nous dit que l'interdit de Shvuat Bitui, transgresser celui qui transgresse de Jurato, à tort, à faux, alors on sera passible du Corban, dans toutes les configurations, qu'il s'agisse que d'un homme ou une femme qui jure, qu'il s'agisse de quelqu'un qui soit cacher, ou quelqu'un qui soit pasoul, là et doute, vous allez me dire, mais quel rapport, c'est à quoi ça sert tout ça? Le principe, il est très simple. C'est une Mishnah en réalité, qu'on va retrouver, ouais, c'est comme celui qui veut, je m'explique un peu, je structure un peu mieux ma phrase. Je vous avais dit déjà que dans ma Maseret Shvuot, on va parler de toutes sortes de serments dans plusieurs circonstances. Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux cas de figure. Il y avait la Shvuat Shav et la Shvuat Bitui. Mais on apprendra déjà dès le début du Perek Dalet qu'on va parler de ce qu'on appelle la Shvuat Haedut, imposer à quelqu'un de jurer qu'il ne sait pas un témoignage. On évoquera tout ça pas dans les détails. On parlera plus tard de Shvuat Apikadon, celui qui jure qu'il n'a pas qu'il a bien gardé l'objet qu'il était en train de surveiller, de garder. Il a gardé, et malgré tout il se l'est fait voler, il devra jurer qu'il n'a pas, négligé son devoir de garde. D'accord? Donc, comme on verra qu'il y aura plusieurs Shvuot, alors dans certaines Shvuot, certains serments, dans certaines... Ouais, selon le cas, alors ce seront plutôt les hommes qui seront passibles, mais pas les femmes. D'autres, ce seront uniquement des personnes éloignées, mais pas des proches parents. Quand on parlera par exemple, pour vous donner une idée de la Shvuat Haedut, celui qui veut jurer, j'impose à quelqu'un de jurer que si tu sais un témoignage, je t'impose de jurer que tu connais mon témoignage
et toi tu affirmes que tu ne sais pas, donc tu vas jurer que tu ne sais pas, que tu ne peux pas témoigner pour moi. Eh bien, si la personne est un proche parent, donc qui ne peut pas témoigner pour moi, ou si c'est une femme, qu'une femme ne peut pas témoigner au Beit Din, alors dans ce cas-là, si elle jure à tort, elle ne transgressera pas l'interdit de Shvuat à Edout. Comme on l'apprendra, qu'il y a des halakhot très spéciales, ouais, pour la Shvuat à Edout, de ce fait, puisque tu verras dans certains autres serments qu'on dispensera dans certaines circonstances un proche parent, une femme, quelqu'un qui est pasoul la Edout, alors la Mishnah a eu besoin, histoire de faire de l'ordre, pour chaque Shvuat, pour chaque serment différent, pour chaque sorte, me dire, ah, là, tout sera chayav. Vous voyez, comme quelqu'un qui voudrait remplir un tableau de sikoum, j'ai pas le mot, désolé, de récapitulatif de toute la halakhot des Shvuot, alors il va remplir un tableau. Il va dire ksherim, psoulim, et après il va dire, ah, ça, oui, ça, non. Donc de ce fait, on a une Mishnah comme ça qui va me dire comme ça. Shvuot bitouy, tout sera chayav, sauf un cas particulier à la fin, comme on verra pour le mipiatsmo, mipiacherim, on l'explique ensuite. Vous avez compris le principe? Ouais. Plus que ça, même, je vous explique, il y a même une petite difficulté, c'est que la Mishnah, elle prend de ce fait une consonance tellement bizarre qu'on a du mal à comprendre de quoi on parle. Je m'explique. Shvuat bitouy noeget banashim ou banashim. La shvuat bitouy, on est passible si on la transgresse, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Là, c'est très logique. Mais barichokim ou bakrovim, qu'il s'agisse d'un proche ou d'une personne loin ou d'un proche parent. De quoi tu parles? Si moi, je suis proche parent de moi, c'est-à-dire, quand tu parles du shvuat haedut, du serment qu'on va imposer aux témoins de jurer, et on va sermenter les témoins. Alors là-bas, je comprends, tu me dis que cette voix-là, elle concerne les proches parents des concernés, mais pas du plaignant, de l'accusé. Là, je comprends de quoi tu parles quand tu parles de Rechokim et de Krovim, mais là, quand tu vas parler de joie de bitouille, ça concerne que toi. Est-ce que moi, je vais manger? Est-ce que je vais pas manger? Est-ce que j'ai vu? Est-ce que je vais pas vu? Est-ce que quand je vais le voir, je vais lui mettre un coup sur l'épaule pour lui dire salut? Ou est-ce que je vais lui donner un bonbon? Je sais pas, moi. C'est quoi ton histoire de Rechokim et Krovim? Effectivement, vous regardez, cette Mishnah, elle est tellement bizarre, tellement difficile à appliquer sur la joie de bitouille, qu'on a même du mal à comprendre de quoi on parle. Concrètement, le Bartenois, la Gemara explique qu'il va falloir expliquer que Rechokim ou Krovim, avec des proches parents, on n'est pas éloigné. On va parler qu'en fait, je veux faire, par exemple, donner un bonbon, que je suis passible de la joie de bitouille, que j'ai juré que j'allais donner un bonbon à mon fils, ou que j'ai juré que j'allais donner un bonbon à balayeur du quartier. D'accord? Dans les deux cas, ouais, et ben je suis engagé par ma joie de bitouille. C'était une évidence, mais quand même, il a fallu le préciser, histoire de garder la symétrie. D'accord? Bakshérim ou Babsolim, donc c'est toujours en parallèle. Bifne Bedin, Meshalo, Bifne Bedin, Mipiatsmo. Peut-être que là, c'est l'occasion, puisqu'on a une Mishnah tellement courte et simple, d'introduire, le partenaire le fait lui-même, d'expliquer c'est quoi de jurer de par soi-même et de jurer par quelqu'un d'autre. On va voir comment ce qu'on a expliqué, évoqué déjà là dans notre cours, que dans certaines shvuot, dans certains serments, alors je peux assermenter une personne. Soit, toi, tu connais un témoignage pour moi. Je doute que tu connaisses, que tu puisses témoigner pour moi, et toi tu affirmes que tu ne sais pas, que tu connais rien du tout. Donc je vais pouvoir t'assermenter et que tu vas jurer au Beit Din que tu ne sais pas de témoignage qui pourra m'aider. Donc je vais t'imposer, comme on apprendra dès le Perek Dalet, je t'impose de jurer que si tu sais quelque chose, parle. Et tu vas jurer, je jure que je ne connais pas de témoignage qui puisse t'aider. Ça, c'est ce qu'on appellera la Shvuat Haedut. Si vous faites attention, c'est une Shvuat Haedut qui démarre par le fait que moi, je lui réclame quelque chose et lui, il dément ce que je dis. Moi, je dis qu'il... C'est, moi, je le réclame, qu'il témoigne pour moi. Et lui, il dément, il dit non, je ne connais pas de témoignage pour toi. Il y a une halakha particulière que si moi, c'est-à-dire, il transgressa l'interdit de jurer pour moi, même s'il ne prononce pas le mot « jurer ». Soit, je vais lui dire, je t'assermente que si tu connais pour moi un témoignage, que tu viennes et que tu témoignes pour moi, que tu témoignes pour moi au Beit Din. Et lui, il me répond uniquement une phrase, après que moi je l'ai assermenté. Moi, j'ai dit le mot « je vois ». Je jure, mais au nom de Dieu, au nom d'Hachem, je te demande que si tu sais un témoignage, que tu témoignes pour moi. Et lui, il répond juste une affirmation. Je ne connais pas de témoignage qui puisse t'aider. Il n'a pas dit le mot juré.
et bien malgré tout, on apprendra qu'il transgresse l'interdit de jurer à faux, même s'il n'a pas dit le mot jurer. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a un rapport. Je lui demande quelque chose et je suis en droit de lui en poser. Et lui, il nie. Alors, si moi-même j'ai prononcé le mot « je vois », il va être concerné par ce mot. D'accord? Ce qui n'est pas le cas avec du chocolat, avec ma tablette. Je ne sais pas moi. Il y a un enfant qui a mangé, il dit « Ah, t'as mangé du chocolat ?» Non, je n'ai pas mangé du chocolat. Je, au nom d'Hachem, dément le fait que tu n'aies pas mangé, que tu aies mangé du chocolat. Et le petit va me dire, enfin le petit qui est déjà bar mitzvah, il va me dire « Je n'ai pas mangé de chocolat ». Eh bien, il n'aura pas transgressé l'interdit de chevoix de bitouille, parce que c'est lui qui doit prononcer le mot chevoix. Étant donné que je ne suis pas en droit de lui imposer de dire, d'affirmer ou de contredire, de ce fait, je ne peux pas, moi, évoquer le mot chevoix, Bechem Hachem, à sa place. D'accord? C'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Le détail du bifne beddin et shalom bifne beddin, devant le beddin ou pas devant le beddin, c'est vraiment lié à fond dans la joie à Edout. C'est dommage de trop nous attarder dessus. Vous avez déjà compris le principe déjà. C'est déjà utile. Comme ça, quand on va l'étudier ensuite, vous aurez déjà un petit peu assimilé l'idée. D'accord? En l'occurrence, en tout cas, pour en revenir sur la joie de Bitouille, ce n'est que si toi-même tu prononces le mot Shvoua que tu seras condamnable sur l'interdit d'avoir juré. Mais si tu contredis et tu dis non, je n'ai pas mangé de chocolat. Et bien dans ce cas-là, tu ne seras pas facile de « je vois de bitouille » même si j'ai moi-même prononcé le mot « je vois ». Cas particulier qui sera évoqué par le Bartanois tout de suite, c'est que c'est si tu dis « amen ». Le mot « amen » est une valeur de « je vois ».« Amen » ça veut dire « c'est vrai, j'atteste ».« Amen zo je vois » comme on apprend dans plusieurs endroits dans la Torah, c'est dit dans la Gemara, « Vamra isha amen, amen » c'est dit sur la sota. Dire le mot « quand moi je t'impose, jure-moi ». Es-tu prêt à jurer, à contrer le fait que tu n'as pas mangé de chocolat au nom d'Hachem? Et lui répond, amen, amen, zo, je vois. Ça a une valeur de je vois. D'accord? Il en va de même, je pense que s'il dit emet aussi, ça aura une valeur de je vois si je ne me trompe pas. C'est fait longtemps que j'ai pas vu ma sacrée joie depuis un bout de temps, donc j'ai pas envie de m'engager trop, mais je crois que c'était explicite là-bas. D'accord? Emet, zo, je vois. Oui. Ben, emet. D'accord? On a fini la Mishnah et on fait à présent le Mortanoura. Ben Hashim ou Ben Hashim, on est passible de la voir qu'il s'agisse d'homme ou de femme. Aïde debaïe le mitne. Alors le Mortanoura nous explique. Aïde debaïe le mitne, joua ta edout. Puisque l'on a envie de t'enseigner d'ici deux Mishnayot, à la chôte de la joua ta edout, d'assermenter le témoin, qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Et là-bas, on aura besoin de te dire que Noheget Ben Hashim, Velo Ben Hashim, que. Ce ne seront que les hommes qui seront concernés, mais pas les femmes, puisque la femme ne peut pas témoigner au Beddin. Tana bishvoat bitouy shenon aged bekolelo. C'est pour ça qu'on a enseigné à propos de la shvoat bitouy qu'il a fallu que je te précise que même les femmes elles sont passibles, et même les gens psulim la edut vechole. Barichokim ou bakrovim, les gens loin ou les gens proches. Le partenaire a peiné là aussi à comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire quoi jurer. Ça engage, c'est-à-dire quoi jurer face à un proche parent, à quelqu'un de plus éloigné. Alors il nous explique que tu as juré que tu vas donner quelque chose, un bonbon, à un proche ou même à quelqu'un de loin. À un loin ou un proche. Bakshérim ou Babsolim, qui s'agit juste de gens kshérim laïdout, obsolim, bekashér laïdout ou pasol. D'accord? Quelqu'un qui est apte à témoigner ou non. Mais attention, tout ça c'est uniquement mipiyatsmo. Il a juré en son nom, de soi-même, de par son acte. Shehotsi ou shvoa mipiv. Que lui-même a exprimé le serment par sa bouche. Avalim ishbiu acherim. Par contre, si d'autres personnes lui ont réclamé un serment, ils l'ont fait jurer, c'est-à-dire ils ont prononcé eux-mêmes le mot juré. Achalta velo achalta. Ouais. Au nom d'Hachem, as-tu mangé? As-tu ou bien n'as-tu pas mangé? Vamar lo achalti veachal ola efer. Et qu'il a dit qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé et que c'était faux en réalité. Patour imlo ana amen, il sera dispensé s'il ne répond pas amen. Ouais, amen, ça, le mot amen, ça vient de emuna, c'est vrai. Ouais, les amen d'avar, c'est-à-dire c'est attester, j'atteste, c'est le mot ce que ça veut dire. Donc là, si tu réponds le mot amen après que je t'ai prononcé le mot je vois, cette fois-ci ça veut dire que tu veux prendre, d'accord, t'attestes mes paroles. Veimana amen achar shehishbiu chavero. Et donc, s'il a répondu Amen après que l'autre a prononcé le mot je vois,
avec Nishba Mipiatsmo Bechayab, ça s'appellera qu'il aura lui-même juré de son propre, de sa propre initiative, et il sera donc passible du Korban et de Makot, parce qu'il aura transgressé la Jouat Mitouille. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.